Bienvenue! Bienvenue en ce mercredi 14 pour un WOD numéro 191. Non, non, c'est pas une blague. Toujours pas. Et non. Et c'est pas un jour de chance, on est le 14, désolé. Y'a rien qui match. Y'a rien qui match. Nul. Et nul ce jour, moi je me casse. J'aime beaucoup cette série de jeux de mots, c'est galéjade. Petite boutade. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une partie Metcon. Ça sera 5 tours de 30 jumping lunges suivi de 20 dumbbell teenager qui a un bras. Et j'alterne un coup à droite, un coup à gauche. Et ça revient au sol. Ça revient au sol, évidemment. Et après, vous aurez un petit peu de renfo pour les bibis, pour les biceps. Ok. Donc, on y va. Étirement. 4 tours de 10. Romanian deadlift sur une jambe. Je me mets sur un pied. Étirement. C'est ce que j'ai dit? Étirement. Et on finira par le warm-up. Donc, 4 tours d'échauffement, premier mouvement, 10, Romanian deadlift sur une jambe, je me mets sur une jambe, je pivote bien au niveau des hanches, je déverrouille juste le genou, je ne vais pas chercher le sol. Donc, 5 à droite, 5 à gauche. Ensuite, 5 inchworm push-up, je mets les mains au sol, j'avance. Okay, tranquille. J'avance. Je suis déjà dans le push-up, moi. Je fais ma pompe, je remonte. Vous voyez, là, je ne dis rien. Je sais m'abstenir quand il faut. Eh oui. Donc. Comment on est en plein dans les étirements? 5 Ensuite, 10 latéral lunge avec un grand ouvert. Donc je fais ma fente sur le côté, je vais chercher le sol et je me grande. Et je reviens. Je peux alterner droite-gauche ou faire 5 à droite, 5 à gauche, c'est comme vous souhaitez. Et on termine par 10 lunge jack. Vous faites bien attention derrière vous. Si on est à toi, parce que tu as la terre. Voilà, pas besoin d'exploser son genou au sol, là vous frôlez le sol, c'est parfait. Et c'est comme un jumping jack, sauf qu'au lieu de jumper sur les côtés, on jump en avant. Voilà, tout simplement. Super sympa la coordination, vous allez voir. Voilà, ça va vous changer la vie, vous allez voir. Gros progrès en vue. Après, on passe sur un peu de mobilité. Vous faites une ligne de pigeon pose à droite, une ligne de pigeon pose à gauche. Essayez de bien sentir vos fessiers qui s'étirent. Allez chercher vers l'avant si vous êtes souple. Voilà, on attend une minute, puis une minute. Et après, on passe au Metcon. Ouh ! Metcon, 5 tours, premier mouvement, 30 jumping lunges. Je saute, hop, et je fais mes fentes. Facile, facile, on enchaîne. Le but du jeu, c'est bien entendu de vous cramer les jambes pour le deuxième mouvement qui vient, les 20 teenager aux haltères alternes. Donc, je mets mon haltère au sol, je monte, je tire mon coude sur l'épaule et j'enchaîne le jerk. Et j'alterne à la descente, soit au sol, comme vous voulez. Et là, on alterne jusqu'à ce qu'on ait fait 20 au total. Ça doit quand même aller assez rapidement, ces 20 répétitions, il ne faut pas que la charge vous oblige à vraiment poser au sol et repartir. D'accord, l'idée c'est de faire des séries de 10 facilement. D'accord, donc prenez une charge que vous pouvez sauver 15 fois. En gros. Voilà. Ok, ensuite, une fois que vous avez fait vos 5 tours, vous pouvez récupérer un peu. Renfaux. Et vous avez un petit renfo, vous voyez la description en bas. Et après, on passe aux étirements cette fois-ci, je peux le dire. Biceps. Warm-up, biceps. Warm-up, épaules. Warm-up, fessiers et les quadris. Voilà. Et là, vous êtes chaud pour le refaire. Une deuxième fois. Voilà. Si vous le faites une deuxième fois, marquez votre temps, regardez si c'est mieux avant ou après. On ne sait jamais. 5 minutes de pause, pas plus. Non, bah non. On enchaîne tout de suite. Pas d'intérêt. Très bien, donc on est bon pour cette journée mercredi des enfants. Exactement, bonne journée des enfants. Et on se retrouve jeudi, demain, pour un nouveau vote où je dirai n'importe quoi. Bon courage. Bon courage.